Salut Doudou, tête de monstre, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Colis d'abonnés. Je crois que... Éclaté, regardez. Un colis qui a été envoyé début décembre, je crois. Et perdu, et reperdu, et reperdu. Je l'ai récupéré qu'aujourd'hui, sous la neige. Ou comme par hasard, il neigeait. Et... Comme par hasard, vous voyez le collier, hein, il est super bien. D'un côté, ça m'a permis de le porter facilement. Et sous la neige, et pas que ça, sans transport public, parce qu'il y a eu un accident à côté de chez nous. Donc, un camion a percuté le pont de notre machin là, bref. Et du coup, plus aucun bus ne peut passer. Donc, j'ai dû marcher une heure. Bref. Quoi ça? Passé quoi? Vous allez le savoir. Un tube de polystyrène. Non, c'est pas du polystyrène, c'est de la mousse. C'est quoi? Ah ok, je vois c'est quoi. Diamant painting. Donc attendez, je vais essayer de l'ouvrir proprement sans le crabouiller. En fait, c'est pas du tout un diamant painting. Regardez, c'est un poster petit panda. Il est trop mignon. Je vais le mettre dans un cadre, je pense, parce que là, il est tout enroulé. Il est trop stylé. Ça fait une toile, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Il est trop mims. C'est un bébé panda. Donc, pourquoi il y a ça? C'est vraiment en vrac, hein. Je savais bien. Je me suis dit, s'il y a ça, moi qui en fais. Un diamant painting. Par contre, j'aime bien la texture du truc. Ça fait tissu un peu. Des petits pandas. Des petits pandas. Par contre, j'aime pas la couleur. Hein. J'espère que... Ah oui, il brille en plus. J'espère que les couleurs vont être plus jolies. Hein, parce que... Ça fait un peu crabouillé. Hein. Couleur caca, vous voyez? Couleur caca. Donc, voici du diamant painting. Des manettes, j'espère qu'il marchera parce que complètement explosé. Je vous ferai un truc des cadeaux de Noël qu'on a reçus. Il y en a un qu'il y a une personne qui ne me l'a pas offert encore. Il y a un truc qui est tombé. Oui, j'ai une tête monstre parce que j'ai encore eu le Covid. Oui, pour la énième fois. Donc il y a ça. Il y a le chargeur. Ah mais ok, ah ouais, il y a ça, un autre truc comme ça, pour attacher les manettes, ok. Oh purée qu'elle déchire, oh purée qu'elle déchire. Regardez la beauté, je sais pas si vous voyez, c'est un orange fluo, un orange pétant. Franchement trop belle, ça je sais pas c'est quoi. C'est quoi, il y a des trucs au fond, attendez. Attention, je sais que ce soit, c'est pour la vidéo d'après. Pour changer les Joy-Con. Les Joy-Con, je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez le spot que j'ai là? J'ai des spots partout. Ça, c'est le Covid. Donc, le truc que j'ai fait tomber, il faut que je le récupère. Ben, ça doit être un autre. Et l'autre côté, il est quelle couleur? L'autre côté. Pou, 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 les couleurs, elles sont belles. Les couleurs, elles sont belles. Moi, j'aime pas les trucs de filles. Mais alors là, elles sont juste magnifiques. Des manettes de Switch. Vous saurez pourquoi. Hop là. Et dedans, il y a pour mettre les manettes. Ça, je sais pas pourquoi ça. Ah oui, ok. Vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça, vous savez. Franchement, c'est pas mal. Attendez, je vais vous montrer. Attends, montrer. Hein. Pourquoi ne pas vous montrer? Franchement, ça tue. Vous pouvez jouer comme ça ou comme ça. Ah, je connaissais pas. C'est tuerie. Qui valide? Qui valide? Moi, je valide. En tout cas, moi, je valide à 1000%. Ça, je... Un clavier. Bon, par contre, il a pris cher le pauvre, lui aussi. Hein. Un clavier. Un clavier. Ça, il n'est pas mécanique, je crois pas. Un clavier gaming. Voilà.
Il est petit, par contre, il est stylé. Je sais pas si... Oui, il est lumineux aussi. Donc voilà, au moins, est-ce que c'est AZERTY? AQWERTY. Donc j'échangerai avec un de mes fils. Je déteste les claviers AQWERTY. C'est moi, hein. Il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas. Par contre, c'est dommage parce qu'après, je peux m'y faire, hein. Je pourrais essayer. Hein. Mais pour le moment, mon clavier marche très bien de chez Action. Pas de souci avec. Donc voilà, un clavier. Il est petit en plus, il est trop mignon. Regardez la taille. Il est tout petit. Bon, il y a des trucs qui sont sortis de leur emballage, hein. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est trop mime. Bon, je ne mets pas de boucle d'oreille, hein. Mais regardez, des boucles d'oreilles Nutella. La personne qui m'a envoyé ça, bien sûr, elle le savait, hein. Voilà. Des boucles d'oreilles Nutella, c'est mignon. Après, pour une occasion, je serais capable de les mettre. Parce que dans ma famille, je ne porte pas le voile, donc je pourrais les mettre. Et ça, c'est une clé Wi-Fi, je pense. Je pense que c'est une clé Wi-Fi. Je ne suis guère sûre. Une clé Wi-Fi. Et ça aussi, ça a pris un shoot. Je ne sais pas c'est quoi. Et alors, je vous explique. Vous pouvez vous épiler avec. Je me disais, la texture, elle est bizarre, tu vois. Je mets mes gros doigts dessus. Je sais pas si ça s'enlève. Bref, vous vous épilez avec en fait. Et vous nettoyez vos talons aussi. Je ne sais pas lire l'anglais, je lis juste les images qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est pour nettoyer les talons, etc. Vous savez, la peau morte des talons. Ben, c'est ça. Par contre, je suis dégoûtée parce que le colis. Ah oui, mince, il y a encore un truc. Attendez, le colis il va décaler. Ouais, ça c'est un emballage vide. Attendez parce que le colis, s'il vous plaît. Et on va arriver à celui-là qui est complètement entassé. Je croyais que j'avais montré mon nom. Après mon nom de famille, je m'en fous de le dire. Hein. Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Quand il y en a qui ont su mon nom de famille, ils m'ont dit que c'était pas possible. C'est quoi ça? Comment ils ont emballé ça? J'ai sûr qu'ils l'ont ouvert le colis, c'est obligé. Il y a trop de trucs comme ça là, vous voyez. À part que la personne. Ah non, je crois que c'est la personne qui. Allez, allez, ouvre-toi. Ça suffit maintenant, tes caprices. Ouvre-toi parce que je vais te faire mal. Quand vous les menacez, les colis, regardez. Je pense pas parce qu'il n'aurait pas pu le mettre sous vide. Je pense que c'est là. Oh, Ramiguel. Oh, Ramiguel. En plus, j'en avais besoin. Il neige aujourd'hui, il fait froid et tout. Attendez, j'ai des balles, regardez. Je vous laisse 5 secondes pour me dire ce que c'est. Et non, c'est un pull pilou-pilou. Un pull pilou-pilou, Fonda. Des fois, quand j'ouvre des colis, je le fais avec les dents. Mais comme ça vient de je sais pas où, je vais pas mettre ma bouche dessus. J'ai assez eu le Covid pour là. Hein. Allez, allez, respire, pull. Je te libère. Tout ça pour un pull. C'est pas un pull pilou-pilou. Attendez, je vous montre de suite. C'est complètement comme une chemise de nuit pilou pilou. Regardez, c'est super grand. Moi, j'avais oh les poches devant, oh les poches, oh les poches. Regardez, ouais, je suis grosse, je sais. C'est du XL. C'est une chemise de nuit pilou pilou avec capuche. Je vais pouvoir jouer. À la console, après ma douche, dans mon pilou-pilou. Parce qu'en fait, je vous explique. Vous allez voir la vidéo prochaine. Pas maintenant, bien sûr, la semaine prochaine. J'avais un pull pilou-pilou, mais je l'ai donné à mon chat. Mais là, je lui ai racheté un truc. Et c'est pour ça que, du coup, j'avais mon pull pilou-pilou. J'allais le laver. Mais du coup, j'ai celui-là. Donc, je pourrais alterner entre les deux, vous voyez. Bref! On se retrouve pour une nouvelle vidéo lundi prochain.
Et je vous dis sur ce, bonne année, joyeux Noël, et mangez des écureuils mouillés. Ciao, bye, c'est mère.